Venu chez moi, on va reprendre cette aventure de Joël et Ellie. Donc en sachant que Joël a eu un... a été, comment dire, très blessé lors d'un affrontement contre les hommes. Et c'est Ellie qui a veillé sur lui pendant tout l'hiver. Et que pendant cet hiver, Ellie s'est fait attraper par un groupe d'hommes un peu bizarres. Et que Joël s'est réveillé entre-temps. Mais ça, vous le saurez en regardant le stream précédent. Donc là, on va reprendre là où on en était. En plus, je ne sais même plus où est-ce qu'on en était. Winter, winter, winter. Ouais, winter, c'était passé. On verra bien. On verra bien, on verra bien. On était dans le tunnel souterrain, ok. Donc là, on a affronté pas mal d'affectés. Ok, on en est au tunnel souterrain. Je pense qu'on n'avait pas terminé en plus. Donc on va reprendre ici là. Allez, je vous laisse avec Joël et Ellie. Je vous laisse avec leurs aventures. Je vous dis à tout à l'heure. À moins qu'il y ait 2-3 commentaires. À moins qu'il y ait 2-3 commentaires. Sinon, si ça vous plaît, la petite aventure, ça coûte rien, un petit follow, petit like, petit partage. Puis vraiment, si ça vous plaît beaucoup, bah abonnez-vous sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Donc je reprends ici, ok. Ok. Bon, moi c'est tout là. Ça marche. Allez, on est parti pour l'aventure de Joël et Ellie. Bonne aventure à tous et à tout à l'heure. Oh non. Tu me laisses passer devant et tu ne me lâches pas. Ok, je te suis.
mal parti. Je n'arrive pas à retourner là-bas. Tellement qu'il y a de courant. C'est trop pour monter. Je pense que j'aurais dû sauter sur le truc là-bas, mais je sais plus comment on saute. Ce qui fait que je suis bloqué. Complètement bloqué. Ouais, ok. Alors, je sais pas trop, c'est quoi, c'est comment ces rencontres, c'est ça? Comment il faut sauter? En courant, je sais pas. Ok, vas-y, saute. Tu vas me rattraper? Je suis là. Ah. Ouais. Même pas plein de moi. Il chante quand ce truc. Bon, fallait juste que je me mette à courir. Faut que je me rappelle. Des actions qu'on fait moins souvent que. Bon allez, je me tue. Je ne vous dérange plus. Les mains en l'air! Elle ne respire plus. J'ai dit les mains en l'air! Bienvenue chez les Lucioles. Désolée pour... Ils te connaissaient pas. Et Ellie? Elle va bien. Ils l'ont réanimée. Vous avez fait tout chemin. Comment vous avez fait? C'est grâce à elle. Elle s'est battue pour arriver ici. Peut-être que c'était écrit. J'ai perdu presque tous mes hommes en venant ici. J'ai pratiquement tout perdu. Et voilà que vous débarquez et qu'on vous trouve juste à temps pour la sauver.
Peut-être que c'était écrit. Je veux la voir. Tu n'as plus à t'inquiéter pour elle. On va s'occuper... Je m'inquiète. Allez, laisse-moi la voir, s'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi ? Quelle opération ? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Elle est donc immunisée. Quand ils l'auront enlevée, alors ils pourront développer un vaccin. Un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Je sais. Trouver quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute, tu vas me conduire... Arrête. Je comprends. Mais quoi que tu penses traverser en ce moment, ce n'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Je la connais depuis qu'elle est née. J'ai promis à sa mère de veiller sur elle. Alors pourquoi tu les laisses faire ça ? Parce qu'il ne s'agit pas de moi, ni d'elle. Il n'y a pas d'autre solution. Tu continues à croire à ces conneries. Escorte-le dehors. S'il tente quoi que ce soit, tue-le. Ne gaspille pas cette chance, Joël. Debout. J'ai dit debout. Allez. Avant. Il a eu Ethan. Quoi ? Ethan est mort. On a un mort. Le passeur s'est enfui. Trouvez la cible et éliminez-la. On va fouiller les autres étages. Oui, chef. On fouille l'étage. Il faut trouver ce passeur et le tuer. D'accord. Je vois que tu me le fils de... Thank you.
le couloir. Oh merde!
voir de ce côté. Vous, là, allez voir par là.
balle, attrape-le. Les hommes sont pires que les zombies. Waouh.
des surprises pour moi, hein? Quoi? Thank you.
Putain.
28 avril. Marlène avait raison. Je n'avais encore jamais vu ce type d'infection. La cause de l'immunité de la fille reste incertaine. Comme observé dans tous les cas précédents, les titres antigéniques du cordyceps restent élevés dans le sérum et le liquide cérébrospinal. En laboratoire, les échantillons de sang de la patiente développent rapidement le cordyceps en milieu fongique. La différence, c'est que les globules blancs, aussi bien en pourcentage qu'en valeur absolue, restent à un niveau normal. On n'a constaté aucune augmentation de cytokines pro-inflammatoires. Et l'IRM cérébral n'a décelé aucun signe de contamination fongique dans le système limbique, qui accompagne d'habitude le prodrome d'agressivité chez les patients infectés. On doit trouver un moyen de reproduire cet état en laboratoire. On est sur le point de faire une découverte aussi cruciale que la pénicilline pour l'humanité. Après des années à tourner en rond, on va enfin pouvoir faire la différence et permettre à l'homme de redevenir maître de son destin. Tous nos sacrifices et toutes ces centaines de vies perdues pour cette cause n'auront pas été vains. Il est 17h30 et on est le 28 avril. Je viens de finir de parler... non. De hurler sur notre chirurgien en chef. Apparemment, il est impossible d'extraire le parasite sans éliminer son hôte. Autrement dit, ils vont devoir tuer cette gamine. Et il me demande de leur donner le feu vert. Les tests sont de plus en plus difficiles, j'ai l'impression. Je suis épuisée. Je suis épuisée et je veux que ça s'arrête. Alors, soit.
Come on.
Ça donne quoi ? Que dalle. Et pour toi ? Je vais regarder de ce côté. Oh merde ! C'était quoi ? J'aime pas ça. Mais où est-ce que t'es ? Je vais gagner du temps. Salut, Anna. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je viens de donner mon autorisation pour l'opération. Je crois que j'avais pas vraiment le choix. Me demander
demander n'était rien d'autre qu'une formalité. Je tiens à ce que tu saches que j'ai tenu parole pendant toutes ces années. Malgré tout ce que j'avais à faire, j'ai veillé sur elle. J'aurais fait n'importe quoi pour elle et il m'est arrivé de... de tuer le passeur. C'est hors de question que je tue la seule personne ici qui connaisse le poids d'une telle décision. Peut-être qu'un jour il me pardonnera. Oh, tu me manques, Anna. Ta fille sera bientôt à tes côtés. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. Notre avenir en dépend. Pensez aux vies qu'on va sauver. Non ! Espèce de... Reculez, j'ai dit! Tu ne peux pas la sauver.
Tu l'as fait sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant. Bonjour Dark. Ce n'est pas à toi. Je parle pas trop. C'est ce qu'elle voudrait. Eh bien bonjour à toi. Et tu le sais. Écoute. Tu peux encore faire le bon choix, Joël. Elle ne sentira rien. Non, j'essaie de rester dans cette ambiance. C'est pour ça que je chuchote. Oh. C'est quoi ce truc? Reste calme. Le médicament fait encore effet. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé les lucioles. En fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, Ellie. Des gens immunisés, il y en a même des dizaines. Mais ça n'a rien changé du tout. En fait, ils ont arrêté de chercher un vaccin. On rentre chez nous. Je suis désolé. Attends. Ne me dis pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. C'est vrai que le paysage, il est joli. C'est magnifique. Après, moi, je suis un peu comme Joël, quoi. Je pense qu'il y a d'autres solutions, quand même, que de sacrifier l'enfant.
attention à ta tête en passant. Là, c'est bon. Là, je sens que je suis plutôt jeune. Je crois que je te l'ai jamais dit, mais... Sarah et moi, on se baladait souvent comme ça. C'était une bonne marcheuse. J'étais souvent à la traîne. Je crois que... Je suis sûr que vous ferez bien. D'accord. Génial. La BD préférée de Ellie. Trop cool. Tiens. Donne-moi la main. Allez, viens. Attends. À Boston ? Quand je me suis fait mordre, j'étais pas toute seule. Ma meilleure amie était là. Elle s'est fait mordre aussi. On savait pas quoi faire. Alors... Elle m'a dit... On n'a qu'à attendre. Tu sais, ce sera romantique, on perdra la boule ensemble. J'attends toujours mon tour. Ellie. Elle s'appelait Riley et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess. Et puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et tu... Quoi qu'il arrive... Tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure.
Bon bah voilà, ça répond à ma question. Il n'y a pas de, petite scène qui vous dit qu'il y aura une suite un jour. Mais bon, vu que je suis un peu en retard sur le jeu, je sais qu'il y a une suite. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon les amis, moi j'ai passé un très bon moment sur ce jeu avec vous. Je remercie à tous les petits viewers de l'ombre d'avoir regardé les aventures de, Joël et puis de, Ellie. Et entre les hommes et les infectés, je pense que les plus à craindre sont quand même les hommes quand même. Ça ne pense qu'à son intérêt, un homme. C'est vrai que les êtres humains sont une des, races les pires sur Terre, quoi. Car voilà, ça a divers facettes. Et ça, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux, quoi. C'est même très très triste. Moins un lion, il tue pour la survie. Il va pas tuer pour le plaisir. Là, on a rencontré des hommes qui tuent pour le plaisir. On a rencontré plein de choses un peu étranges sur ce jeu. Ah, je sais. Je sais. Moi, avec ceux qui étaient infectés, comme on dit, on savait à quoi s'en tenir, quoi. On savait qu'il n'y aurait pas de trahison possible. On savait qu'il y avait qu'une chose qui comptait pour les infectés. C'est qu'ils voulaient votre peau. Donc, comme on dit, au moins, c'était eux ou nous. Mais avec les hommes, on savait jamais trop à quoi s'en tenir. Après, on a quand même rencontré quelques bonnes personnes. Et heureusement. Mais bon, franchement, personnellement, je trouve qu'il y a plus de, mauvaises personnes que de bonnes. Donc des fois, les choix sont très très compliqués. Voilà les amis, donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt. Je vais vous raider. Chez Bouboule. J'ai un peu de rétro, donc je sais pas trop ce qu'il fait, mon cher ami Bouboule. Donc on va aller là-bas. Je vais vous faire patienter un petit peu. Le temps du transfert. Moi, si vous voulez, je vous oblige pas à quoi que ce soit. Comme je suis en plus, il n'y a pas de d'histoire de gagner des points de chaîne en plus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour le moment. Donc je vais vous envoyer là-bas. Faites un petit coucou. Et moi je vous dis à très bientôt les amis. Et merci d'avoir suivi ce petit stream. Pour ceux qui regardent la vidéo, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis comme je le dis toujours, ceux qui sont vraiment intéressés, bah abonnez-vous. Puis après, bah, ceux qui ne le sont pas trop, il y a des choses qui ne coûtent rien. Donc un petit follow, un petit partage, un petit like. Voilà, ça c'est les petits termes qui fonctionnent sur YouTube et sur Twitch, je pense. Donc moi, je vous dis à très bientôt les amis. Et j'espère vous revoir prochainement, quoi. Après, je ne sais pas sur quoi je repartirai, sur quoi je repartirai du moins. Mais bon, après, c'est comme d'habitude, tous les mardis matin, on est sur du Gran Turismo. L'après-midi, nous sommes sur du World of Warcraft. Et le mardi soir, on est sur du Guild Wars pour le moment. C'est le programme de la semaine. Après tout, les autres streams se font un petit peu à la sauvage, le temps que je m'organise plus ou moins correctement du côté IRL. Voilà les amis, sur ce, je vous envoie chez mon ami Bouboule.
vous dis à très bientôt. À très 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 bientôt. Hop. Donc nous on fait comme ceci, je crois. Moi je ne sais plus comment trop comment ça se passe l'histoire. Je vois 3 spectateurs, donc il n'y en a que 3. Bon, c'est tout. Je vous dis à très bientôt les amis, alors. À une prochaine. Et merci Dark d'avoir suivi cette aventure. Puis merci d'avoir participé sur le chat. Ciao ciao. Allez, amusez-vous bien. Mais c'est lui qui rend l'antenne. Au revoir.